Je suis à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, parce que c'est le retour des élections. Et donc, ça annonce le retour des Vox Pop. Ben oui. Et pour celui-là, je suis allé rencontrer les militants de tous les partis pour répondre à la question suivante. Lequel des quatre grands partis a les militants les mieux informés? On regarde ça. Débutons avec les partisans du Parti québécois. Voir s'ils connaissent ça, la politique québécoise. Ça, c'est le chef de la CAQ. Ouais. C'est quoi son nom à lui? Je sais pas son nom. OK. Ça, c'est le chef du Parti québécois. Lui, avec la CAQ, oui. On est ici. C'est quoi son nom? Jean. Jean qui? Déraché. Là, j'ai un plan de moire. Avec qui? Avec lui! Avec lui? Mais oui, en plus, un autre! C'est pas le nom de ce gars-là? Non! Ça va pas bien. Je le sais, mais j'ai un blanc de mémoire. OK. Je me souviens pas son Jean-François nom. Lisée. OK. Ça, c'est le chef de... Québec solidaire. OK. Elle, c'est qui? Je me souviens plus son nom. Manon Massé, qui est chef de... Coalition de l'avenir du Québec. Le 4. Puis Québécois. Et ça, c'est l'autre? Je me souviens plus son nom. François Legault. OK. François qui est chef... Parti québécois. Parti québécois. OK. C'est le nom de ce parti-là, quand même? Non! Non! Ça commence par Québec... Solitaire. C'est quoi? Québec solitaire. Québec solitaire. François Legault, c'est quel parti? Que c'est la CAP. Pardon? La CAP. Là? La CAP. La CAP? Oui. Lui, il le connaît pas. Attends, lui, tu le connais pas? Non. T'as pas aidé aucune des équipes? Tu sais qu'on on est à un rassemblement de ce gars-là ici. Ce gars-là, ben regarde. Nommez-moi deux anciens chefs du Parti québécois. Non. Je ne me rappelle pas du deuxième, d'un des deux. À combien estimez-vous la population du Québec? 23 millions. Seulement du Québec? Oui, du Québec. 500 millions. Qui a déclaré « Vive le Québec libre » en 1967? C'est M. Lévesque. Sur le balcon de l'Hôtel de Ville? Oui, monsieur, j'étais là. Vous étiez là? Oui. Ah ben, tabarouette! Eh bien, vrai ou faux, le Parti québécois est un parti souverainiste? Faux. Donc, ils ne sont pas pour la souveraineté? Non. Qui est le chef fondateur du Parti québécois? Jean Chrétien, si on veut. Qui a fondé le Parti québécois? Oui, Jean Chrétien. Le premier chef du PQ, ça a été qui? Aucune idée. On est sur quelle rue ici? Ici, René Lévesque. Ah, René Lévesque! Ah, tabarouette! Hey, oh, on vient d'allumer. Alors, on est au rassemblement de la CAQ. Dynamique comme ils sont, c'est sûr qu'ils savent tous ces gens-là. Pour quel parti allez-vous voter? La CAQ. La CAQ. Absolument. Oui. Et c'est qui le chef de la CAQ? C'est M. Legault. Oui. Prénom? T'as une minute, là. Moi qui s'appelle Legault, non? Qui est le chef fondateur de la CAQ? Bonne question. J'en ai vraiment aucune idée, en fait. Aucune idée? Aucune idée. François! Tu viens de voir la pancarte, maudit tricheur? Non, non, non! Il était regalé, Dave. Filme-les! Combien il y a de fleurs de lys sur le drapeau du Québec? 16. Peut-être. Pas certain. Oui, je l'ai devant chez moi, là. Vous avez le drapeau du Québec devant chez vous? Devant chez moi, oui. Donc, combien de fleurs de lys sur le drapeau du Québec? Il semble qu'il y en a une. Vrai ou faux, la CAQ est un parti souverainiste? On va dire vrai. Donc, vous votez pour la CAQ, pour la souveraineté? Ouais, plus tard. OK. En quelle année a eu lieu le référendum de 80? En 85. De ouais. 80, hein? Mais je crois qu'il était en 81. On était juste sur le bord de janvier 81. En quelle année a eu lieu le référendum de 80? 85. 85. Ouais. C'est François Legault qui vous apprend ça? Les caquistes ont tous cette impression qu'il y a eu un référendum en 85. En quelle année la CAQ a pris le pouvoir pour la dernière fois? Là, par exemple, tu me poses une question. À combien estimez-vous la population du Québec? À 11 000 habitants. 11 000? Bientôt 12 000? Ah, si ça marche comme ça, continue comme ça, oui, même 15 000. 15 000? Bientôt. J'espère. Vous étudiez en quoi? En histoire. En histoire. Le Québec est devenu souverain en? En 80, là, avec la Constitution de Trudeau. Là. On n'a pas fini les études encore. Bon, ben là, je me suis habillé en jeune, j'ai mis mon collant de Manon, un peu de patchouli, sans voir Québec solidaire! Avec quel parti Québec solidaire a fusionné en 2017? L'Union nationale, je pense. De ouais. Maurice Duplessis. Ouais.
avec quel parti Québec solidaire a fusionné en décembre 2017? Il n'a pas fusionné avec personne, mais il y a eu des pourparlers avec la CAQ. Ça se peut, ça? Pour fusionner avec la CAQ? Oui. Vrai ou faux, Québec solidaire est un parti souverainiste? Faux. Faux. Et vous allez voter pour? Québec solidaire. Oui, monsieur. Pour le Canada uni. En quelle année le Québec a signé la Constitution canadienne? Dans les années 1700. En quelle année le Québec a signé la Constitution canadienne? 69. En quelle année le Québec a signé la Constitution canadienne? 1608. Confédération canadienne. Combien y a de fleurs de lys sur le drapeau du Québec? 5. Ben, 4 petites puis une grosse. 6. Fleurs de lys? Sur le drapeau du Québec. Oui. Complétez la phrase suivante. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire... Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire... Je sais pas c'est qui. Vive le Québec libre! C'est pas ça partout. Non, c'est quoi? Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire... Mais là, vous avez dit quelqu'un, mais c'est qui? Je sais pas. C'est honteux de me dire. Ouais. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire... Mais c'est Jacques Parizeau. Qui a déclaré « Vive le Québec libre » en 67? René Lévesque. Il était où? Sur la colline parlementaire avec Lise Payette aussi, je pense. Il a dit « Vive le Québec, libre ». En quel... notre prochain rendez-vous. C'est ça qu'il avait dit aussi, je pense, hein? Tout on se donne un autre rendez-vous, une affaire de même. On s'est donné rendez-vous dans 10 ans. Dans 10 ans. Bon, pour les libéraux, ce qui est plate, c'est qu'on avait réussi à filmer avec tous les chefs des partis, le Vox Pop, imaginez-vous, mais Philippe Couillard a décidé de ne pas être complice de mon humour subversif. Fait que comme les libéraux nous interdisent de participer à leur rassemblement, ben j'ai décidé de m'en aller dans la circonscription de Darcy McGee qui a voté à 92% libéral aux dernières élections. Puis ça, je considère que c'est un rassemblement libéral. C'est qui le chef du Parti libéral en ce moment? Je sais ça! Ah, ben j'espère! Ah! Si tu votes libéral, j'espère que tu sais c'est qui le chef au moins. Quel parti politique est au pouvoir actuellement au Québec? Parti conservateur. Oui. OK. Qui est le chef actuel du Parti québécois? Pauline Marois. Qui est le chef du Parti québécois? Philippe Couillard. Dans quelle ville siège l'Assemblée nationale du Québec? Ottawa. Ah, du Québec. Non, c'est... j'ai pas entendu Québec. Ouais, ça va être dans le montage. Tu comprends le principe? OK, c'est bon. On prend juste tes mauvaises réponses. Alors, l'Assemblée nationale du Québec siège dans quelle ville? J'imagine que c'est Montréal. Dans quelle ville siège l'Assemblée nationale du Québec? Dans aucune ville. L'Assemblée nationale siège nulle part? Non. Siège où? Ben, il n'y en a pas. Vrai ou faux, le Parti libéral est un parti souverainiste? C'est vrai que c'est souverainiste. Souverainiste? Ouais. Parti libéral. Et toi, t'étudies, t'as fait une étude dans? J'ai intégré dans les politiques. En politique. Nom de la crise survenue en octobre 70, lorsque les libéraux ont demandé au fédéral la présence de l'armée? La crise de Lac-Meach, c'est ça? C'était une crise d'octobre. En 70, c'est la crise d'octobre. C'est quoi le nom? Le nom, c'est... La crise d'octobre. La crise d'octobre? Je sais pas. La crise d'octobre, c'était... Le nom de ça, c'était... Aucune idée. La crise d'octobre. Géographie, nommez-moi une région du Québec. Une. Une. Région. Région. Sortez-vous de Côte des Neiges? Non. OK, vous vivez vraiment comme, toujours... Côte des Neiges, puis je suis aussi comme à l'université. Ah oui, OK. C'est qui ça? C'est le chef du Parti libéral. Son nom, c'est? Aucune idée. Okay. La CAQ, ça veut dire? La Collectivité associée québécoise. Ça, t'as jamais vu ça. Hein? J'ai jamais vu ça. Parti québécois. Oh non! Alors, mon verdict, c'est un match de nuls, mesdames et messieurs. Oui, il y a des nuls dans tous les partis. Alors, bon vote à tous, mais informez-vous avant.